Vous savez, j'ai tellement reçu de ce pays. J'ai reçu tellement d'amour, tellement de gentillesse, tellement de bonté. Bonjour Ada, moi c'est Jamila Maïga, je suis styliste modéliste. Je me suis installée en 2008 et depuis je suis là. En fait, c'est plutôt l'Algérie qui m'a choisie parce que faut dire que j'ai quand même étudié ici. De 99 à 2003, je suis repartie et je suis revenue en 2008 et depuis je suis là. On va dire que c'est plus l'Algérie qui m'a choisie. Pendant longtemps. Après mes études, je me suis cantonnée à chercher du travail, à trouver du travail, à travailler dans plusieurs domaines. J'ai fait le transport et la logistique internationale, j'étais plus dans le commercial, j'ai fait du marketing. Tout ça, j'ai travaillé pour travailler. Par contre, on a toujours ce truc où on se dit non, je crois que je peux faire quelque chose. Je me rappelle, je disais tout le temps à mon mari, tu sais, je peux faire quelque chose de mes mains. C'est vrai, je travaille, je gagne de l'argent, mais je sais qu'il me manque quelque chose. Et donc, je veux faire quelque chose de mes mains. C'est comme ça qu'un matin, j'ai acheté une machine. Vous savez, je ne savais même pas coudre. Mais je savais que c'est ce qu'il me fallait. Et depuis que j'ai commencé ça, ce n'est plus une question d'argent. C'est juste une question d'amour pour ce qu'on fait. J'ai rencontré de belles personnes dans ce pays. Et j'ai vécu de très belles aventures. On rencontre des femmes formidables. Vous savez, j'ai tellement reçu de ce pays que aujourd'hui, c'est pour ça que je n'arrive pas à répondre à cette question. Comment ils se comportent avec moi? J'ai reçu tellement d'amour, tellement de gentillesse, tellement de bonté, des insultes aussi. Mais là, aujourd'hui, je sais dire qui m'a insulté et je sais dire qui est gentil avec moi. J'ai récemment décidé d'arrêter et je vous jure que la réaction de toutes mes clientes et tout m'a fait tellement chaud au cœur que j'en suis finalement même arrivée à douter en fait de cette pause que je voulais prendre. Dans 10 ans, Arcadi sera devenu un groupe parce que j'aurais repris Arcadi. Aujourd'hui, je suis dans le vêtement. J'aime beaucoup l'idée Arcadi Food. J'aime beaucoup l'idée Arcadi Cosmetics. J'ai déjà un pied dans l'humanitaire. Je me vois avoir les deux pieds dedans, en fait, à ce moment-là. Je suis sur le point de mettre une parenthèse à ce que je fais. Sachez une chose, c'est que je reviendrai, et très vite.